اعتقد بانه لهذا من الدلالات ما يكفي. فاللاعب عبد القادر برازي رحمه الله لاعب كبير، ولكن بالاضافه لهذا فهو من الجانب الانساني انسان كبير، وانا عرفته عن قرب. اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يمكننا ويمكن الاجيال القادمه ان تكرم اولا ابطالها وهم على قيد الحياه، ثم ان تلتفت الى كل اولئك الذين اعطوا الشيء الكثير للكره القدم الوطنيه وللرياضه المغربيه عموما. واعتقد بانه بتراكم تجاربهم وتضحياتهم فالشباب اليوم يسير نحو الامام، وسنسير جميعا ان شاء الله الى ما هو افضل. انا اعتقد بان المبادره ستبقى لصالح الكره المغربيه وللرياضه المغربيه، وكما قلت اليوم هي مناسبه نفتخر بها، ولكن عليها ان تحفز الجميع لتكريم رياضيين، لانهم يستحقون الشيء الكثير مهما قمنا به تجاههم، فلن نقدم ولن نعترف لهم الا بقليل من الجميل. Aujourd'hui c'est un moment on va dire un moment de respect, de reconnaissance envers un joueur qui a beaucoup donné pour le football national. Donc votre présence ici c'est aussi un honneur pour sa mémoire. Vous savez, dans ce monde, au-delà même du sport, et en particulier pour le football, si vous voyez que nous sommes toujours depuis un certain moment avec les légendes africaines, c'est une reconnaissance. Nous ne pouvons rien faire, nous ne pouvons avoir la bénédiction que sans reconnaître à tous ceux qui ont beaucoup donné sur le football africain. Donc si on est là aujourd'hui, je remercie ces légendes qui sont disponibles d'accepter de venir ici sur invitation du président Lekcha, de rendre hommage à cette illustre personnalité qui a tant donné, comme vous avez dit, pour le football national, mais surtout pour le football d'une manière générale. Donc c'était par solidarité. Bonsoir, vous avez quand même pris de votre temps de venir assister à ce match en hommage à Feu Abd al-Qadr Brazi. C'est quand même un moment fort aujourd'hui parce que la famille du football est unie pour rendre hommage à l'un de leurs qui nous a quittés. Bien sûr, vous avez tout résumé. La famille du football s'est réunie pour rendre hommage à un grand gardien qui a fait le bonheur des Lions de l'Atlas. Voilà, donc en tant que sélectionneur adjoint des Lions de l'Atlas, c'était complètement normal. C'était vraiment une évidence que je sois là aujourd'hui pour rendre hommage et pour commémorer voilà, sa présence avec l'équipe nationale. Donc je suis vraiment heureux d'être ici, bien sûr. المبادرة هذه اللي جاء من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من تنسيق مع النهضة البركانية، وكنشكروا فوزي القجع على هذه المبادرة هذه. ويعني هذا المقابلة اللي غادي يعني رد الاعتبار، ما كنظنش انها رد الاعتبار، لان مباراة اللي نتمنوا اي لاعب عطى لهذا الوطن هذا او الرياضي او فنان انه يتكرم سواء في الحياه ديالو او الممات، لان حتى واحد ما عرف المصير ديالو في الحياه. وهذا مبادره مزيانه لان جمعت لاعبين كبار من افريقيا واللاعبين ديالنا اللي لعبوا في الفريق الوطني من جميع الفئات، يعني اللي راهم منورين زعما يعني هاد المدينه ديال بركان اليوم باش نحفلوا هاد المقابله هذه باش تعطي واحد الطابع خاص افريقي وتشرف الكره المغربيه. مصطفى vous êtes également ici à Saïdia pour participer pour rendre hommage à un grand gardien que vous avez côtoyé. Donc vous pour vous cette action qu'est-ce que c'est quand même une très grande action noble qu'il faut vraiment saluer. Il faut la saluer, il faut l'avoir en mémoire. C'est ce que je veux dire, parce que des garçons comme Sebrazé, Allah yarhamo, c'est quelqu'un qui a été un homme d'honneur, un grand homme. Je l'ai connu, j'ai eu la chance de partager des moments extraordinaires avec lui, dans les moments difficiles, dans le bonheur. Mais ça a toujours été un garçon avec un grand cœur. Et dans le football, les gens-là, ils sont rares. Les hommes comme ça, ils sont rares. Donc, on a perdu un grand monsieur. Honnêtement, de tout cœur, je le dis, parce que j'ai énormément de respect pour lui. Il était un peu plus vieux que moi, mais j'avais énormément de respect pour l'homme qu'il est, l'humain qu'il était. Donc,
Aujourd'hui, c'est triste. Il est parti très jeune pour sa famille, pour ses enfants. Donc c'est dommage. C'est dommage de perdre un garçon comme lui, aussi jeune, un grand sportif qu'il était. Et aujourd'hui, je dis à toute sa famille, il ne faut pas qu'il soit triste, parce qu'il a vraiment fait un grand honneur à tous les Marocains. Et moi, personnellement, comme je vous ai dit, je l'ai connu et il restera dans mon cœur parce que c'était quelqu'un d'exceptionnel. Et j'espère qu'on aura d'autres comme lui, Inch'Allah, dans le futur, parce qu'il faut garder. Il faut garder cet état d'esprit qu'il a pu avoir, lui. C'est-à-dire un homme sur qui on pouvait compter, et un homme qui était représentatif du football et du sport marocain en général, et qui était très positif. Donc aujourd'hui, c'est une grosse fierté, et il ne faut jamais oublier Sel Brazé, parce qu'il a beaucoup fait. Donc il faut l'avoir en mémoire, il ne faut pas que le saluer. Monsieur Belloumi, salam alaikum. Merci de bien vouloir accepter de répondre aux questions de Matin TV. Belloumi, vous êtes à la ville de Saïdia, et vous participez à ce rencontre. المرحوم عبد القادر البرازي اليوم يعني هذيك بادره طيبه يعني اللي خصنا نشوفوها تكرر مرارا وتكرارا بالنسبه للاعبين اللي سدوا خدمات جليله للكره القدم. طبعا انا يعني فرحان كثير وجودي هنا في السعيديه، لزمان ما شفناهاش، كنا نجيو هنا المحروض بارك الله، وحتى الاخوه المغاربه يروحوا هنا المغنيه يبحروا، وحنا وجودنا هنا طبعا يعني هذا واجب علينا احنا كنجوم افريقيا. والحارس المرحوم عبد القادر البرازي يستاهل هذا التكريم هذا، رحمه الله. بالمناسبه نعزي العائله تاعو كبيره وصغيره، دونك حنايا كنجوم افريقيا لازم علينا نؤدوا الواجب تاعنا، يعني الحضور تاعنا وشرفه كما هو دار الاداء تاعو، لعب الالوان الوطنيه تاعو طبعا، وهذه الكره.